Bonjour à tous, booktubeurs, booktubeuses, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des petites reines. Alors, les petites reines, cette histoire, ça commence avec l'élection des boudins. Miss Boudin, c'est la plus moche du collège, forcément. Depuis des années, Mireille, elle est habituée à être boudin d'or. Mais là, elle s'est fait détrôner et n'est que boudin de bronze. Elle va décider en fait de découvrir et de se lier d'amitié, on va dire, avec Boudin d'argent et Boudin d'or. C'est ainsi qu'elle rencontre Feder. Feder, c'est le frère d'Akima, donc une Boudin également, qui lui a été victime de la guerre. Il a perdu l'usage de ses jambes. Et tout ça à cause de qui? Du général assassin. Auguste Sassin, dit assassin. Ce livre est bourré d'humour et de petites touches comme ça. Et donc, ce fameux général va se faire décorer de la Légion d'honneur à la garden party de l'Élysée. Nul dit deux, les boudins sont révoltés. On ne peut pas décorer comme ça un homme alors que c'est à cause de lui que Feder a perdu ses jambes. Donc elle décide de monter à Paris. Et elle vient de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Donc Bourg-en-Bresse, Paris, en vélo. Ça fait du chemin. Et c'est ainsi, en fait, que naît le périple de ces petites boudins qui va avoir la chance de passer dans le 71. Donc grâce à cette histoire, vous allez découvrir notre belle Saône-et-Loire. C'est génial. Donc c'est un roman destiné en fait aux ados qui parle des problèmes d'ados et justement tout ce petit côté on se moque des uns des autres, toi t'es moche donc t'es le boudin, etc. etc. Et c'est très puissant parce que le fond est quand même assez triste, mais l'auteur met tellement d'humour que ce livre est tout juste fabuleux. Découvrez-le. En attendant, retrouvez-moi sur mon Instagram et ma page Facebook. À très vite, bisous.